L'Italie, 1947. La guerre a pris fin il y a 2 ans. La pauvreté sévit dans presque tout le pays. C'est un terreau fertile pour le communisme qui promet une solution aux problèmes économiques et à l'injustice. La vie était extrêmement dure. En plus des tensions politiques, il fallait toujours se serrer la ceinture. Nous avions faim. Nous avions toujours faim. Comme le Parti communiste compte déjà 2 millions de membres, les États-Unis craignent que l'Italie et l'Europe de l'Ouest ne succombent au communisme. The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. L'armée rouge est la plus importante force militaire du monde. Staline contrôle la majeure partie de l'Europe de l'Est. L'Union soviétique offre un autre modèle de société, la propriété publique et une économie centralisée à l'antipode du credo occidental, fondée sur l'économie mixte et le marché libre. En février 1947, une crise financière contraint le gouvernement britannique à informer Washington qu'il met fin à son aide à la Grèce et à la Turquie. L'administration américaine craint que la Méditerranée orientale ne devienne communiste. Le président Truman saisit l'occasion pour passer à l'attaque. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. J'étais au balcon, je l'écoutais, c'est alors que j'étais frappé par la concentration totale et absolue des membres du Congrès. Toutes les personnes présentes ont compris qu'il s'agissait d'un événement historique majeur. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Pour la première fois, Truman précise qu'il s'agit d'un combat entre la liberté et la tyrannie, entre l'Occident et les communistes. Il doit persuader un Congrès souvent isolationniste d'agir. L'anticommunisme de la doctrine Truman y parvient. L'Europe, qui est parvenue à vaincre le fascisme au terme de 5 ans et demi de guerre, est en faillite. L'industrie, comme les maisons, sont en ruine. La population lutte pour sa survie. Le Parti communiste qui a combattu le fascisme attire de nouvelles recrues. L'attrait du communisme pour les jeunes et les étudiants, c'était l'espoir qu'il était possible de créer une société sans classe. Beaucoup de gens croyaient que le communisme allait créer un monde meilleur, meilleur que celui qui existait avant la guerre. C'était le seul parti que l'on pouvait joindre si on voulait changer le monde. L'homme auquel Truman fait appel pour contrer la menace communiste est le tout nouveau secrétaire d'État, le général Marshall, le chef d'état-major de l'armée pendant la guerre. C'est lui qui va élaborer la réplique des États-Unis. Marshall était un homme extraordinaire. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme lui. À bien des égards, il était très austère. C'était un homme inaccessible. Il n'a jamais permis à qui que ce soit de l'appeler George Marshall, même au président. Quand le président lui a demandé s'il le pouvait, il a répondu non. Général Marshall fera l'affaire. Il incarnait le commandement et la force de caractère. En mars, Marshall rencontre Molotov, le ministre soviétique des Affaires étrangères, lors d'une réunion à Moscou. La Grande-Bretagne et la France y sont aussi.
Les quatre grands tentent de s'entendre sur l'avenir de l'Allemagne. L'hospitalité russe a beau être chaleureuse, les semaines de réunion n'aboutissent à rien. Marshall a fait un dernier effort. Il a eu un entretien avec Staline au Kremlin. Et cet entretien a convaincu Marshall que ce que les Soviétiques voulaient, c'était gagner du temps afin que la situation en Europe occidentale et en Europe centrale devienne de plus en plus critique, que le milieu social se détériore de plus en plus. Les communistes se renforceraient et peut-être que les régimes communistes prendraient le pouvoir en Europe occidentale sans invasion de l'armée rouge. La question de l'Allemagne vaincue est au cœur des problèmes de l'Europe. Staline veut maintenir l'Allemagne à genoux. Sinon, il craint qu'elle ne se relève un jour et qu'elle menace à nouveau l'Union soviétique. Les Américains estiment que le rétablissement de l'Allemagne est la première condition au redressement complet de l'Europe. Le général Marshall est maintenant convaincu qu'il faut agir rapidement. À son retour de Moscou, il commande au ministère des Affaires étrangères de commencer à élaborer un programme d'aide à l'Europe. Il faudra investir des milliards. Le Congrès va-t-il approuver cette dépense énorme? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today. La situation est à ce point urgente que Marshall devance son plan. Il l'annonce lors d'une cérémonie à l'université Harvard. Aucune caméra n'est présente. Marshall propose à l'Europe une aide d'envergure, à grande échelle, et il invite les Européens à coopérer. Le 3 avril 1948, le Congrès accorde 5 milliards au plan Marshall. Le plan Marshall est né du besoin de nourrir les affamés et de bloquer l'expansion du communisme en Europe. L'aide se compose à 20 % de prêts et à 80 % de subventions. De la nourriture et des engrais constituent les premiers envois. Suivent des machines pour accroître la production agricole. Au cours des 4 ans du plan, l'agence Marshall dépense 13,5 milliards de dollars dans 16 pays.